Bonjour, c'est Grifax. On se retrouve pour une vidéo de Forge Magie et on commence avec un arc corrompu que je vais essayer de faire en Over Résistance R. Alors là, on a un pipio qui vient de tomber. J'espère qu'on va réussir à l'exploiter. Ça me paraît un petit peu tendu quand même parce que j'ai beaucoup de stats qui sont plutôt basses. Mais bon, on va faire au mieux. Alors j'ai 51 plus 9, moins 10 de puits, 52 puits. Hop! Alors la vitalité qui est un tout petit peu trop élevée. Malheureusement, on perd pas mal de puits en l'essayant de la remonter. Hop! Alors, l'initiative qui passe, ok, l'intel, je vais aller chercher les 69, hop, ouais, réécrit, on va tomber à 25 piles, ça c'est pas mal, et on a du critique dans l'affaire, donc on s'en sort bien. Malheureusement, je pense que je pourrais pas tout remonter, hein, ça me paraît un peu chaud là, voilà, il me reste 5 de puits, et voilà, la sagesse qui fait tout tomber, donc c'est mort pour cette première tentative, c'est pas grave, on va essayer de remettre le PO quand même, et ça ne passe pas. Deuxième puits PO, donc on a 41 de puits. Il est arrivé très très rapidement après la dernière session là. Donc peut-être qu'on va pouvoir en faire quelque chose de bien. Oh, les petits critiques sur le retrait PA, ça fait plaisir ça. Ouais, ça s'est très bien passé là, inattendu. Les dommages, on va remonter. Ça crit également, décidément, on a pas mal de chance pour le moment. Oh la vache, dis donc. Eh bien, je sais pas ce qui se passe là, mais c'est plutôt appréciable. Les ricris. Est-ce que je les laisse là ou est-ce que je les remonte? Ça m'embête d'avoir à 20. On va chercher systématiquement le 25, je pense. Ouais. Donc on va devoir partir en over réécrit comme ceci. Moins 12, et ensuite je vais retomber avec une raise. Une raise normale. Hop, voilà. Histoire qu'on n'ait pas de. Ouais, parce que 23 sur 25 réécrit, ça fait un peu sale, sachant que c'est pour du PVP. Ça m'embête. Alors, moins 6 ici. Et ben, on va peut-être avoir une tentative. Sachant qu'un G-perf là-dessus, c'est déjà assez compliqué à choper. Parce que même s'il y a un PO, il y a quand même pas mal de choses à remonter. Voilà, on va faire au mieux. Moins 6. Ça me laisse 5 de puits. 5 de puits. Est-ce que je tente une raise? Est-ce que je tente une raise? Oui. Allez, hop. Ah, bah, j'avais un peu de puits résiduels, donc ça n'a pas fait de malus. On va rester là-dessus. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remettre le PO et si ça passe, je tenterai un PA parce qu'un PA sur un G comme ça fera plaisir aussi. Ok. Allez, petite tentative PA. On y croit. Ça serait sympa que ça passe. Malheureusement, non. Puis PO suivant. On a un G qui est pas trop mal à part la vitalité qui va poser problème. Et on a les 40 sagesse, on a les 15 dos. Ça peut peut-être donner quelque chose de bien. On va voir. Alors, on commence par un critique sur la vitalité. Ça fait plaise. Et on perd quand même 20 depuis. La vitalité même est souvent au fond, hein, mais comme je suis très exigeant. J'aurais pas voulu avoir 340, donc j'ai pas vraiment le choix, il faut que je fasse comme ça. Ouais, allez, on va partir là-dessus. À moins que. C'est quoi comme rune? Ça, c'est une plus 3. Je vais tenter un truc. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a attiré mon attention sur le fait que c'était peut-être plus judicieux parfois de mettre une rune de caractéristique qui pèse 1 plutôt qu'une rune initiative. Étant donné que pour l'initiative, on a des fois du moins 6 d'ini au lieu de moins 5, il y a peut-être un ouais. Petite subtilité à ce niveau-là, alors j'ai pas les infos précises, mais ça pourrait être peut-être mieux de tenter autre chose. Donc on va mettre une rune agilité et je vais décidément, enfin dorénavant, partir avec des runes agi ou force en l'occurrence là, à la place des runes initiative. Bon voilà, c'est vraiment un petit détail, ceux qui font de la FM comprendront pourquoi je fais ça. C'est pour voilà, avoir le moins 5 et ça, voilà, selon certaines personnes, on a plus de chances d'avoir moins 6 si on prend l'initiative. Donc ça, ce serait à vérifier, je sais pas trop comment on pourrait le vérifier, mais. Bon, voilà, je pars dans la mesure où je suis pas sûr de moi, je vais mettre toujours maintenant des runes comme celle-ci. Alors, là on a moins 20 sur les Karak également, donc ça nous laisse que 9 et on va pas aller loin avec ça hein, malheureusement. On va monter la fuite, mais on n'aboutira pas. Ouais, dommage. Dommage, on va quand même tenter le PO qui ne passe pas non plus. Wow, alors là je viens d'avoir un puits PO qui est vraiment remarquable. J'ai les 40 sagesse, il manque juste 3 réécrits, on a la fuite au max, les dommages au max, tout, enfin vous voyez le G, la crit, très très PA, les res, tout est vraiment très très haut, donc là il y a peut-être moyen d'avoir un truc tout à fait incroyable. Il y a juste la vitalité qui est à 346, mais je pourrais pas avoir mieux, donc je vais la laisser comme ça. La seule difficulté va être l'intelligence, il faudrait que je passe à 71, et yes, ça passe. Ça passe, alors ça c'est vraiment une bonne chose. On va enlever un ici et bah là on va peut-être pouvoir avoir une très très belle tentative. Oh, on a en plus un critique là-dessus, inattendu. Ce qui veut dire que j'ai 35 de puits et plus le 1 de force, donc je peux faire 6 tentatives.
6 tentatives sur les résistances R. Franchement, sur un G comme ça, sur un puits PO, c'est quand même relativement rare. Donc là, je suis vraiment très optimiste. Et allez, j'aimerais bien en avoir. Oh non, sérieusement, j'en ai zéro. Bon, là, je suis sacrément triste. Et en plus, on a la portée. Oh là 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 là, j'aurais tellement aimé avoir au moins 1% raise. Bon. Dommage, hein, vraiment dommage. Est-ce que je tente un payout à nouveau sur un G comme celui-ci? Allez, oui. Parce que si un jour je passe un truc comme ça, je sais que c'est un petit peu osé et certains comprennent pas parce que c'est vrai que c'est un G magnifique et je le casse, mais si un PA passe là-dessus, à force d'être un petit peu ambitieux et d'en tenter comme ça, je finirais bien par en avoir un sur un gros G un jour et là ça me fera vraiment plaisir. Bon, bah dommage, hein, ça partait vraiment bien là, le 0 sur 6 sur les raises m'a mis un peu au fond, bah, c'est dommage, sinon la tentative était parfaite. Tant pis. À nouveau, une très très belle tentative là. La portée qui est tombée sur une rune passe ça, et vous le voyez, j'ai des statistiques qui sont vraiment très belles sur toute la fin de l'item. Il me reste juste réécrit intelligence et vitalité à remonter. Alors on va commencer par la vitalité parce qu'il va falloir faire un over. Oh dommage, dommage. On se massacre tout le puits sur de la vitalité. C'est triste, sinon ça aurait pu faire quelque chose de vraiment propre. Mais là, on ira nulle part malheureusement. C'est triste. Et en plus, le PO qui repasse pas, bref, tant pis. Et on est parti peu de temps après bah, pour un nouveau puits PO. Donc là, cette fois-ci, il y a beaucoup plus de choses à remonter, mais j'aurai pas de problème d'over puisque j'ai 60 d'intel et 300 de vitalité. Donc ça devrait plutôt bien se passer. Ok, on a une réécrit qui crit, ça fait plaise. Bah, voilà, va falloir partir sur les runes qui pèsent assez lourd. Donc là, on en a une qui a crit, c'est pas mal. On a moins 30 là-dessus. Ah, j'ai pas compté le puits que j'avais à la base. J'avais 45 a priori, avec peut-être un petit peu de rab. Je dirais plus 1 parce que là je vois que j'avais un plus reliquat sur une retrait PA et ça devait être une intel. Donc j'imagine que j'ai 48. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc là on a moins 30 du coup, ça va pas me laisser grand-chose hein, malheureusement. On va quand même essayer. Moins 12, on n'a plus que 6 et avec 6 on peut remonter les résistances et voilà, on n'a plus de puits, dommage. Puits PO qui va être plutôt compliqué à exploiter là. Vraiment plutôt compliqué parce qu'on a une vitalité un peu moisie, on a l'intelligence qui est à 66, donc il va falloir que je passe à 76 pour ensuite la rebaisser, donc ça va être un over assez compliqué. Mais ça passe pourtant. Alors on va voir si on arrive à remonter ça. Alors du coup je vais balancer une rune résistance R pour récupérer peut-être 6 de puits, mais ça crit. Ça crit. Je vais donc mettre une primer, il m'aurait fallu une par écrit là, mais c'est pas ce qui m'arrange. C'est pas du tout ce qui m'arrange. Ou alors je mets une retrait PA, mais je vais passer à 69 d'intelligence, et ça m'arrange pas du tout. On va y aller sur de la réécrit. Voilà, déjà ça c'est déjà mieux. Comme ça, je pourrais monter à 25 sur les résistances critiques. Et je vais tenter une petite pavie. Voilà, avec pavie qui me fait un moins 3, ça ne passe pas. Et on va terminer de rebaisser à 70. Ok, j'ai pas perdu trop de puits sur cette histoire, ça c'est pas mal, je m'en suis bien sorti. Ensuite, il va falloir y aller avec une pavie. Pavie qui me fait moins 5. Et là, il va nous falloir la ravie. Et là, il faudrait vraiment que ça passe. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça me fait donc 357 de vitalité. Il reste 20 de puits. Il reste 20 de puits. On ne perd pas de puits là-dessus. Je récupère une résistance R. Qui va y repasser dans la par écrit. Hop. Et là, j'ai perdu pas mal, malheureusement. J'ai perdu 16 de puits. Hop. Ce qui me laisse donc 4. J'ai encore le retrait PA à remonter. Et ça crit. Ça crit. Et donc là, j'ai 4 de puits restants. 4 de puits restants, on va pas aller très loin. Je vais tenter le PO, puis on va retenter un PA si le PO passe. Et le PO ne passe pas. On enchaîne avec un puits PO qui tombe. Voilà, il y a peut-être moyen que ça aboutisse. On n'est pas sur un jeu incroyable de base. Ça va dépendre des critiques. Alors, déjà, on a un crit sur l'intel, ce qui nous remonte à 73. On va ensuite reprendre les 3 de puits supplémentaires sur la vitalité. Voilà, on repasse à 298 de vitalité et on a l'intel au max. C'est parfait. Et avec une petite ravie, ce sera nickel. Voilà. Ok, donc là, ça commence plutôt bien. On a moins 10 qui nous laisse 25 de puits. J'avais pas beaucoup de puits à la base parce que je sais pas si vous avez fait gaffe, mais j'ai deux passages qui sont passés consécutivement après la chute du PO, ce qui m'enlève quand même beaucoup de puits. Bah là, il va falloir tenter de la par écrit. Je vais en mettre 3. Hop, moins 18. Et il nous reste 7 de puits pour avoir 2 dommages. Donc si j'ai 2 dommages. Ah bah dommage, il aurait fallu que ça crit. Il aurait fallu que ça crit pour avoir un truc bien, on peut toujours essayer d'y aller avec du critique, mais malheureusement, non, ça ne passe pas trop. On pourra toujours tenter un PA là-dessus,
Là, un PA serait pas mal, là. Un PA serait pas mal, parce que, alors du coup, je le laisserai pas comme ça s'il passe, parce que le G n'est pas parfait. Et en revanche, on pourrait essayer de le briser en espérant ne pas faire tomber le PO. Et ce serait chouette, mais non. Tentative là, plutôt sympathique. Le PO qui vient de tomber sur une rune de mage feu. On a un G qui est quand même pas mal du tout. La vitalité qui me pose problème, comme souvent. Est-ce que je pars sur un over? Bah oui, hein. J'ai vraiment envie d'aller chercher une belle vitalité, donc tant pis si je perds à chaque fois pas mal de puits comme ça, je préfère être un petit peu patient et puis avoir plus de runes qui y passent, et tant pis. Ok, la ravie qui crit, là on est pas mal du tout. On est pas mal du tout, je vais balancer une petite rune comme ça pour baisser la vitalité en dessous de 350. Et dernier point vraiment délicat, enfin avant de repasser le PO, c'est la Rainée qui passe. Rainée qui passe, on est donc sur du moins 10, hop. 68, ça me convient, ça ira. Là, ça passe aussi. Ok, 23 de puits restants, il n'y a plus qu'un dommage feu à remonter. On va avoir une belle tentative, je pense. Moins 5, c'est parfait, ça nous laisse 18, ce qui nous fait 3 tentatives sur les résistances R. Et bah, il ne faudra plus qu'un petit PO voilà, qui repasse là-dessus. J'ai 1%, c'est. Pour un item comme ça qui est un petit peu difficile à FM, 1% ça m'ira dans un premier temps. Puis peut-être que si je reprends le FM plus tard, je mettrai un PM. Et là, si on a le PO, eh bien je m'arrêterai ici. Dommage. Petite tentative relativement sympathique sur laquelle j'ai laissé la vitalité plus basse pour avoir éventuellement plus de facilité à la remonter parce que j'avais du coup le choix à y aller entre des pavis ou des ravis. Malheureusement, 241, bah, c'est pourri, donc il va falloir que je parte en over quand même, c'est dommage. Ok, pour l'instant ça se passe plutôt bien, on a... Merde. On a moins 3. On a moins 3 et il me faudrait un petit over qui passe. Ok, moins 10, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Hop, alors on a un moins 6 avec la rune, même si c'est pas une initiative, ça fait aussi ça avec des caractéristiques simples. Bon, voilà, je le savais, mais tant pis, c'est pas grave. Les raises, on a moins 12 ici. Les dommages, on va les remonter également, bien sûr. Moins 10, et ça va être compliqué. Il me faudrait un critique sur la critique sur l'intelligence, ça ce serait pas mal. Et non. Bon, on va faire une petite tentative PA, tiens, pour terminer. Ah non, bah, le PO ne repasse pas, donc ça vaut même pas la peine, le G est trop moche. Petit puits PO qui vient d'arriver, on a 48 de puits, alors j'ai un petit doute sur la ligne là, voilà, où j'ai récupéré du puits, je considérais que j'avais plus 3, j'espère que je ne me suis pas trompé. Bon, on va le voir par la suite. Et là, enfin, ma stratégie de laisser la vitalité assez basse pour pouvoir la remonter plus facilement avec des pavis et des ravis et choisir la manière de les combiner qui sera optimale, eh bien ça va payer. Puisque là, voilà, je monte à 248 avec des pavis, et ensuite j'y vais à 348 avec de la ravie, j'en ai même une qui crit. Donc on s'en sort vraiment bien là-dessus, c'est pas mal. C'est pas mal, l'intelligence qui passe également assez vite, c'est nickel, et bien là on a peut-être espoir d'aboutir sur quelque chose d'intéressant. Voilà, ben on est bon là. Hop! J'ai donc 13 de puits, je peux utiliser un de puits pour essayer de remonter une petite caractéristique, voilà, bon, on va mettre un puits sur l'intel, ou alors je ne le mets pas en sécurité comme j'avais un doute, ouais, je vais faire ça comme j'avais un mini doute, je vais juste faire 2% raise. Oh, les 2% qui passent. Ce serait vraiment chouette que j'ai le PO là-dessus. Ce serait vraiment bien. Oh là là, dommage. Les 2% là sur un jet très propre, ça aurait été chouette. Tant pis, on va devoir continuer. On a un puits PO sur un jet plutôt médiocre, on va essayer d'en faire quelque chose quand même, mais je suis peu serein. On va laisser la vitalité à 345 parce que ça va être trop contraignant d'avoir plus. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à remonter. Alors on a déjà moins 10 ici. Je vais essayer de remonter la récré à 19. Ok, ça crit, c'est pas mal. Le critique me fait peur également. Et on a une fuite qui est pourrie. Oh là là, ça va être compliqué à remonter tout ça. Moins 8 ici. Il nous faudrait un crit qui passe assez bien. Voilà, bien sûr, ça ne passe pas. Hop. Et là, je pense qu'on va déjà arriver à la fin du puits. Ok, on a du critique. On a du critique, ça peut peut-être le faire. Oh, il nous reste 4 de puits. Il reste encore beaucoup de choses à remonter. Malheureusement, là, ça va être complexe. Hein. Voilà, effectivement, ça dégénère. On va quand même mettre un puits PO. Un PO, pardon, pour essayer un brisage PA, mais non, ça ne marchera pas. Belle tentative ici avec 49 de puits. Alors, on va devoir y aller en overvita. Et après, ça devrait être plutôt pas mal. On va voir. On va voir ça. Alors, on a ici 356 de vitalité. 346. Il y a à nouveau un critique à remettre. Ok, on a un coup critique là, enfin un succès critique sur l'intelligence, sur la Rainée, ça fait très plaisir. Et malheureusement, je n'ai pas cette chance pour le critique qui me foire mon item, tant pis.
tentative assez originale que je n'ai pas filmée au début parce que je pensais pas que ça allait passer. J'avais une vitalité très basse, mais comme vous le voyez, j'ai eu des critiques sur la vitalité, donc peut-être que ça va aboutir. On va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. Je vais remonter l'Erikri à 19 pour ensuite pouvoir arriver à 25. On a donc moins 4 ici, et il va nous falloir du critique sur les grosses runes. Ok, bon, ça crit pas, mais en tout cas ça passe. Ça va quand même me laisser relativement peu de puits pour la suite. J'espère que ça, on va arriver à aller jusqu'au bout. Si là j'ai un critique, ça peut le faire. Ah, malheureusement, je n'en ai pas. Ça me laisse 7 de puits pour finir à l'item, et ça va être très compliqué. Hein. Ouais, très chaud. Bah, on va tenter un PA et on le brisera si ça passe. Non, pas de PO, donc pas de PA. Tant pis. Tentative pas trop mal, sauf pour les résistances critiques là qui sont à 11, et ça c'est vraiment moche. Alors on va essayer de remonter tout ça bien sûr. Comme ceci, à 13. Je vais peut-être remonter même à 16 dans un premier temps. Ok, on a du crit, c'est pas trop mal, moins 4. Et ensuite j'irai avec des parts écrits pour aller chercher les 25. Ok, on n'est pas trop mal là-dessus. La vitalité, ça passe. L'intel qui crit. Ok, là il y a peut-être moyen d'avoir un truc vraiment chouette. On est pas mal du tout. Allez, on est parti pour les récris. Oh, les jolis critiques. Très jolis critiques là pour l'instant. 28 de puits. Et là, peut-être que ça peut vraiment bien terminer cette histoire. Hop, il n'y a plus que les résistances à terminer. Et on va pouvoir partir sur les raises. Alors, moins 6, ça me laisse 17 de puits. Ah! Est-ce que j'aurais pas par hasard un tout petit peu de puits résiduels d'avant? Je n'en ai pas l'impression. Je n'en ai pas l'impression. On va voir. Alors, soit je tente. Ok, on va rester là-dessus. On va jouer la sécurité plutôt. Mais si. Ouais, j'aurais en fait. J'ai pas utilisé le. Les 5 de puits inutiles en me disant que si j'avais pas de pourcent qui passait, j'aurais pu en mettre un de plus en espérant que ça se passe bien. Et bah de toute façon, on n'a pas le PO, donc c'est réglé. À nouveau, une tenta plutôt sympathique avec 47 de puits. Alors là, il faut partir en over-vitalité. Hop, ça passe directement, c'est pas mal du tout. Je vais mettre une rune comme ceci, voilà, pour passer à 350. Ok, on est pas mal du tout là. Si l'intel passe bien, il y a moyen que ce soit chouette. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Et bien là, il n'y aurait plus que les résistances critiques avec un petit dommage à remonter. Ok, moins 6, on a eu 2 critiques, c'était pas mal du tout. Dommage que je repasse à 15, bien sûr. Moins 10, et ça nous laisse 11 de puits. Donc on va faire. Bah, je vais faire comme juste avant, tiens. Soit ça passe, soit j'en retente une. Ok, ça passe. Et là, je pense vraiment pas que j'ai du puits parce que j'ai pris le temps de recompter avant. Je pense vraiment pas que j'ai du rab. Est-ce que je tente une deuxième? Non. On va plutôt rester sur un G comme ça, c'est pas mal. De toute façon, là, il n'y avait rien à remonter avec le puits restant, concrètement. Tout est au max et la sagesse, j'aurais pas pu remonter plus. Donc, hop, un petit PO. Ah, oh, toujours pas, dommage. On se retrouve quelques runes plus tard. Alors, le PO avait fait 2 échecs critiques consécutifs, donc j'ai mis un orbe pour reset le G. Et le PO est retombé directement après. Alors là, du coup, on a un truc que j'ai pas pu travailler en avance pour avoir quelque chose qui me convient. Donc là, la vitalité est pas pratique du tout. Heureusement, l'intel est correct, à 68, je vais garder. Donc voilà, comme la vitalité là passe plutôt bien, on va espérer pouvoir choper un truc intéressant. On va voir si j'arrive à remonter tout. Qu'est-ce qu'il faut que je remonte là? Là, j'ai 7 de puits en trop, concrètement. Ce que je peux faire. Aller chercher les dommages. Oh là, décidément, les critiques, ça fait plaisir. Ok. Et les réécrits. Je peux essayer d'aller chercher les 25 avec des réécrits simples, ça peut encore le faire à ce stade. Mais ça me paraît un peu ambitieux quand même. Hein. Non, bah, tant pis, c'est pas passé là-dessus. Je vais mettre la rune d'Aufeu. Hop, ça passe en crit, c'est chouette. Ça. La fuite, moins 12. Et là on a 27, ok, je vais quand même remonter les récris. On va y aller sur un mini-over, et ça passe, ok, c'est cool. Ça passe. Il va falloir maintenant que je leur baisse à 25. Voilà qui est fait. Et ça nous fait donc, eh bien, à nouveau, on a malheureusement un tout petit peu de. Enfin, il nous manque un tout petit peu pour avoir une tentative supplémentaire, parce que là, avec les deux de la résistance R, je suis à 23 de puits, mais il m'en faudrait 24. C'est compliqué ça, il faudrait que je tente un succès sur une Ray R. Parce que là, je peux même pas balancer une autre rune pour essayer d'avoir un succès critique, parce que comme il y a déjà un exo Ray R, c'est quasi sûr que ça passera pas.
Ok, on va tenter un succès critique là-dessus. Pas de succès critique, on peut continuer et non, ça ne passe pas. Donc on n'aura que 3 tentatives et pas 4, c'est dommage. C'est dommage, ça aurait pu être pas mal. J'en ai quand même une qui passe. Et bon, bah peut-être qu'on va avoir un PO là-dessus. Et oui, on a le PO là-dessus. Bon, je suis un petit peu. Je suis content d'avoir terminé ce FM avec les 25 cri-cri qui sont plutôt propres. On a quand même eu des tentatives plus belles que ça parce que là, la vitalité est pas top. 345, c'est le minimum que je peux accepter. Et 68-38, c'est vraiment les statistiques minimum que j'accepte sur les lignes, quoi, pour mes items. Donc là, on a un truc qui est quand même relativement médiocre. Et je suis vraiment déçu pour tout à l'heure la magnifique tentative qu'on a eue à 2%. Là, on avait 9% res R et c'est pas passé. Et bon, bah, c'est pas grave, hein. Peut-être que je reprendrai ce FM plus tard. En tout cas, je vais l'arrêter ici puisqu'il a déjà assez duré. Et moi, je vais peut-être pouvoir jouer un peu avec ce système quand même en attendant d'avoir un meilleur G. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, liker et vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.